tu vois, ce soir, c'est un soir particulier, mais comment te dire, je t'aime bien. Non, je t'aime bien, t'es sympa, tout ça, tu vois, mais t'es pas connu. Moi, je ne vis qu'avec des célébrités. Tu comprends, toi, t'es rien, quoi. T'es pas connu. Donc, ça m'intéresse pas du tout. Alors, je suis désolé de te dire, c'est la Saint-Valentin, mais tu vas la passer tout seul. Parce que tu vois, d'abord, tu me fais chier. Mais tu sais quoi? T'es moche, et tu sais quoi? Tu pues. Et t'es même pas célèbre. Alors, dégage, boudin. Tu vois, c'est le jour de la Saint-Valentin. Et c'est un jour un peu particulier. Tu sais que je suis magicien. Et grâce à la magie, exceptionnellement ce soir, je vais te faire disparaître de ma vie. Au revoir. Mon cœur, je te le dis, je pense que voilà, on est allé au bout de notre histoire. Le quotidien nous a bouffé. Je préfère que voilà, on s'arrête là, quoi. On décide que stop, faut qu'on aille faire chacun notre vie de notre côté. Pardon? On n'a jamais été ensemble? Jamais? Même pas un jour? Ouais, ah bah du coup, c'est plus facile de rompre. Là, je vais boire. Ah bah, même du champagne. Là. En tout cas, Jean-Mi, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse se voir un peu en dehors du studio. Puis bon, je voulais te dire, pour ta demande, ça me fait super plaisir. Mais comment te dire? C'est pas contre toi, hein, mais je pense que t'es trop jeune. T'es trop jeune. Hein. Je te laisse. Bisous. Non, je suis content de faire la Saint-Valentin avec toi, c'est pas le problème, c'est pas ça, c'est que quand même que je te dise un truc qui m'embête un peu, c'est sur nous deux quoi. Ah, j'ai un coup de téléphone. Oui, mon camion qui gêne en double fil. Ah, mais je suis sur une place livraison pourtant. Je le déplace, j'arrive tout de suite. Il faut que j'aille déplacer mon camion parce qu'il est sur une place de... Je pensais être sur une place de livraison, mais en fait, il gêne. Donc, je te dis à bientôt ou pas. Mon chéri, voilà. C'est compliqué pour moi, mais il faut que je te le dise. C'est le dîner de la Saint-Valentin et on a un problème, c'est qu'avec toi, je suis trop calme. Et tu vois, moi, quand je suis trop calme, je suis pas moi-même. Parce que moi, j'ai besoin de m'énerver. Il faut que je m'énerve pour être moi-même. Et dans notre couple, ça va pas parce que je suis beaucoup trop calme. Moi, chérie. Donc, c'est pas possible qu'on reste ensemble. On va se séparer, même si c'est le soir de la Saint-Valentin. D'accord? Merde, j'ai cassé un verre. T'as vu? Là, je me suis énervé. Mais en fait, je me suis énervé, chérie. Mais c'est bon, chérie, pour rester ensemble, je me suis énervé. Merci, chérie.